Bonjour, nous sommes le 19 juin 2022 avec une météo qui était caniculaire pour la journée d'hier. Donc celui qui n'avait pas, qui faisait des trajets véhiculés devait absolument avoir l'air conditionné parce que sinon c'était le choix absolu à l'intérieur de voilà des moyens de transport. Donc dans les moyens de transport, dans un temps pas comme celui d'hier, bon. Les véhicules doivent être équipés absolument, voilà, d'air conditionné. Maintenant, et bien sûr, ne pas mettre l'air conditionné très fort, mettre à un certain niveau, on va dire relativement fait pour éviter, je veux dire, d'attraper toutes sortes de maladies en relation avec, voilà, soit une ventilation trop forte ou voire un choc thermique entre une forte ventilation d'air frais à l'intérieur de la voiture et une température assez chaude à l'extérieur. Donc il y a ces fameux chocs thermiques, il faut faire très attention. Il y a les chocs thermiques, mais aussi le fait de pousser l'air conditionné à son summum. Bon, il faut rester, je veux dire, dans les règles de l'art, je veux dire, avec un certain niveau. Un certain niveau, voilà, d'air frais. Et pas abuser au niveau voilà, de l'air conditionné en voulant pousser le bouchon à son paroxysme. Ceci étant dit, je vais vous présenter ici donc. Quelques êtres vivants où l'homme n'existait pas ça, à cette époque-là, hein, l'homme n'existait pas. C'est une époque qui était l'époque, voilà, de ce qu'on appelle les dinosaures. Alors ici, vous voyez, c'est la reconstitution de dinosaures. Bon, les dinosaures, je ne sais pas quelle couleur qu'ils étaient. Hein. Bon, ils étaient peut-être jaunes, ils étaient peut-être verts. Bon, je sais pas. Ils étaient peut-être jaunes avec des traces comme ceci. Voilà. J'en sais pas plus. Hein. Bon, personne n'en sait pas plus parce que retrouver le fait de retrouver les os et encore quelques os ne présage en rien de savoir ce qu'il en est de la couleur de la peau. Alors, ils avaient peut-être aussi des antennes, hein. Voilà, des antennes qui n'étaient pas osseuses. J'en sais pas plus. J'en sais pas plus. Bon, je suis pas spécialiste en la matière. En tout cas, bon, ici vous avez deux types de dinosaures. Voilà, bon, je sais pas quelle couleur qu'ils étaient. Encore une fois, si bon, je peux mettre du vert, hein, on peut se laisser l'imagination, hein. Donc ce monde-là est laissé à l'imagination parce qu'en fait bon, quand on n'en sait pas plus bon il reste plus que l'imagination qui peut parler sachant que l'imagination n'est pas forcément mais je veux dire la réalité mais plutôt une forme de virtualité. Alors bon ici vous voyez que vous avez deux dinosaures, un qui est à gauche et l'autre qui est à droite. Bon, leur visage ici sont sympathiques, hein. Ils ont l'air sympathiques. Bon, ben, je ne sais pas s'ils étaient aussi sympathiques que ça, mais en tout cas, il y avait de la prédation, hein. On pouvait se dire que dans cet environnement-là, il y avait de la prédation. Dans ce monde, on avait de la prédation. Bon, prédation, peut-être il y avait de la mutualisation. Il y avait de la coopération, etc., etc. Bon, ça c'est le monde du vivant de ces époques. Bon, il faut faire des études pour et voir ce qu'il en était de ce monde. Mais ici, de toute façon, je vais pas à une étude, je veux dire, très poussée, parce que je montre juste simplement des petites images de certains animaux. Comment on les nommait, bon, certains animaux, comment on les nommait, comment on peut retrouver certains animaux. Alors, on en connaissait, bon, on en connaît jusqu'à présent 1200 espèces, mais bien sûr, vous aurez compris que. Alors, oui, quand je dis espèce, attention que ne pas confondre espèce. Espèce, par exemple, si je prends une espèce, par exemple, l'escargot, est une espèce d'animal. On va dire, enfin, si je prends, on va prendre des animaux plus. L'espèce, je prends. Alors, on va prendre le chien. Le chien est une espèce. Le chat est une espèce. On va dire. Voilà. Qu'est-ce qu'on va dire? Le loup est aussi une espèce. Le renard est une espèce. Voilà. Etc. Vous avez des espèces au niveau des animaux. Terrien, marin et aérien.
Et les espèces sont innombrables. Parce qu'à côté de ça, il y a aussi, bien sûr, ça c'est ce qu'on appelle la biodiversité. Biodiversité des espèces. Il existe ce qu'on appelle la biodiversité des allèles. Alors, bien sûr, ça, vous aurez compris pourquoi on a un chien. C'est au niveau génétique, hein, c'est le nombre de chromosomes qui fait ça. C'est le nombre de chromosomes qui fait qu'on a un chien, un chat, un loup, un renard. Bon, on a la biodiversité, bien sûr, des allèles, qu'on appelle la biodiversité génétique. Par exemple, dans une race d'escargots, on peut avoir toutes sortes d'escargots. Chez les chiens, on a toutes sortes de races de chiens. Donc, on a la diversité, ce qu'on appelle génétique, et il existe une biodiversité, bien sûr, des écosystèmes. Un écosystème n'est pas l'autre. Hein. Si vous avez la toundra, ça n'a rien à voir avec un désert. Bon, voilà. Donc, vous avez des biodiversités, des écosystèmes. Bon, c'est, bien sûr, les écosystèmes dépendent, bien sûr, de l'altitude, de la latitude, de la température, de l'humidité, du milieu. Voilà. On peut avoir un endroit chaud mais sec. Mais comme on peut avoir un endroit chaud mais humide. Voilà, donc la température et l'humidité jouent. Voilà. Et bien sûr, il y a la géologie du sol qui peut jouer aussi. Hein. Bon, un sol dans un écosystème, un marécage n'est pas voilà, un sol calcaire. Hein. Voilà, donc un milieu n'est pas un autre. Un biotope n'est pas un autre. Voilà, donc il y a les. Et heureusement qu'on a cette biodiversité parce qu'on ne vit pas dans un monde tout blanc où il n'y a que du blanc ou du noir. Non, on vit dans un monde où la diversité est, je veux dire, très grande. Alors, très grande à tous les niveaux. Biodiversité des espèces, biodiversité génétique et biodiversité des écosystèmes. Donc, ces dinosaures-là allaient là où il y avait une colonie de végétation, de la nourriture. Bon, bien sûr, les lois de l'univers sont les attractions-répulsions. Ici, bien sûr, les animaux sont attirés par voilà, de la nourriture végétale qui est sous forme de carbone. Vous aurez compris que c'est du carbone, ils vont manger du carbone. Et bien sûr, ces animaux sont aussi constitués de carbone. Voilà, comme l'être humain est constitué de carbone. Bien sûr, l'être humain, c'est bon, un grand pourcentage d'eau. Et puis après, on retrouve tout ce qu'il doit aller rechercher dans la nourriture, ben, il l'a sur lui. Il doit aller rechercher la nourriture, des protéines parce qu'il est constitué de protéines. Il doit aller chercher. Voilà, des glucides parce qu'il est constitué de glucides et il doit manger de la graisse parce qu'il est constitué de graisse. Voilà, donc ce qui fait les briques de l'être humain, ben, il doit manger ça. Il doit manger ça. Les briques de l'être humain, il doit manger un petit peu il doit manger ce qu'il a en briques sur lui, ben, il doit le manger. Ici, c'est un peu la même chose. Bon, ces animaux, la première des choses qu'ils recherchent, c'est rechercher de l'énergie. L'énergie qui permet, bien sûr, sous forme, bien sûr, de carbone. Cette énergie sous forme de carbone qui leur permet bien sûr de transformer leur énergie en énergie cinétique s'ils doivent marcher, courir, etc. ou maintenir une température corporelle à certains niveaux, ça demande aussi de l'énergie. Bon, faire toutes les réactions enzymatiques, enfin toutes les réactions voilà, dans le corps nécessite bien sûr de l'énergie. L'énergie est utilisée voilà, à différents niveaux. Bon, le but, c'est bon, de se ressourcer en énergie pour pouvoir vivre. Et vivre, c'est quoi? Ben, c'est l'interaction, je veux dire, avec voilà, la matière et l'énergie. Donc, il va manger pour effectuer un certain travail, bouger, courir, maintenir, voilà, toutes les réactions qui sont dans le corps. Enfin, établir toutes les réactions qui sont dans le corps, ce qu'on appelle le métabolisme, alors, qui se divise en catabolisme et anabolisme, soit on synthétise, on dégrade, soit on dégrade ou soit on reconstruit au niveau moléculaire. Donc vous voyez ici, vous avez à gauche un avipelvien herbivore, bon, il mange des herbes. Alors, la végétation de ce temps n'était pas la végétation de maintenant. Voilà. Les végétations ont évolué pendant des millions d'années. Hein. Donc, quand je dis écosystème, écosystème, les écosystèmes, ce sont des écosystèmes aussi bien marins, terriens, bien sûr terriens, végétaux ou autres. Hein. Voilà. Et bien sûr, on retrouvait beaucoup
voilà, de lieu à eau. De lieu à eau. Voilà, donc en fait, on va dire quelque part que la végétation était luxuriante. Et elle était même, on va dire, on dirait, enfin, je dirais, tout était gigantesque. À mon avis, les arbres étaient gigantesques, les plantes étaient gigantesques. On avait ce qu'on appelle le gigantisme. Le gigantisme. On était dans un monde de gigantisme. Après que la Terre fût une boule de feu et qu'elle a dû, bien sûr, je rappelle encore une fois comment ça s'est passé. La Terre était une boule de feu. Hein. Il a fallu créer l'univers, puis le système solaire, et puis la Terre et tout ce qui s'ensuit. La Terre qui était une boule de feu, maintenir, créer les gaz CH4, l'oxygène, créer la couche d'ozone O3, voilà, l'ozone qui est l'O3, créer le CH4, l'O2, créer le CO2, créer, voilà, créer les cycles de tout ça, créer la première cellule, la première cellule qui est, bien sûr, unicellulaire, puis pluricellulaire, puis, bien sûr, les cellules prokaryotes, eucaryotes, ensuite, sur des millions d'années, puis l'ADN dans tout ça, les chromosomes, l'ADN, et puis créer les premiers êtres vivants, bien sûr, créer des puits dans tout ça, il faut créer des puits, hein, voilà, créer le CH4 à partir, bon, voilà, de plusieurs choses, hein, au niveau géologique et au niveau parasitaire. Donc le méthane, hein, le gaz méthane, puis créer des petites bactéries, des petites cellules dans l'eau, puis ces cellules, ça commence à grossir de plus en plus. Et puis pour finir, pour avoir des animaux marins, bien sûr, avec chaque fois, sur des millions d'années, des glaciations, des volcans, des météorites qui tombent. Donc chaque fois, il y a des extinctions. De certaines espèces, je pense à ceux qui sont par exemple en surface, qui vivent en surface de l'eau. Et puis on a la colonisation végétale, bien sûr. La colonisation végétale, on a les premiers animaux terriens, voilà, les reptiles, et puis les premiers animaux, comment est-ce qu'on appelle ça, aériens, et puis bon, après les dinosaures. Voilà. Alors on retrouve des dinosaures dans. Voilà, Crétacé, etc., etc. Voilà, donc ici, vous voyez qu'on a une végétation qui est assez riche, assez dense, où, je veux dire, certains animaux de grande taille peuvent aller chercher leur énergie au travers, bien sûr, de. Et là, la photosynthèse est présente. Hein. Parce que si on a des végétaux, c'est qu'on a. La photosynthèse, donc il y a, pour avoir la photosynthèse, je vous rappelle qu'il faut de l'eau, chose qu'il y a sur Terre, puisqu'il y a le cycle de l'eau qui a été créé. Il faut bien sûr du CO2. Alors le CO2 est présent en tant que gaz à effet de serre, parce que là, la Terre a été stabilisée au niveau de la température. Donc on peut se dire que l'effet de serre, les gaz à effet de serre sont présents, c'est-à-dire CH4, NO2. H2O qui est une matière inorganique, CO2 une matière inorganique, bien sûr, l'O3, l'ozone, le CH4, CH4, NO2, CO2, H2O, et O3, etc. Voilà, tous les gaz à effet de serre qui concourent bien sûr à avoir une température ambiante et permet une vie sur Terre. Voilà. Donc ici vous voyez que vous avez un avis pelvien herbivore. Sur la gauche, et ce qui a été tracé ici, ils ont et le ici, on a donc le stégosaure 3-7 mètres, voilà, de long, broutant des bénitales, qui sont, voilà, une espèce existante à cette époque-là. Bon, bénitales, alors là, ça, ils ont mis en rouge, d'ailleurs, je vais le mettre ici tout de suite. C'est l'axe cérébrospinal. Je vais essayer de le tracer. Ça, c'est l'axe cérébrospinal. Voilà, l'axe cérébrospinal. Bon, ils avaient des queues. Des queues. Alors, bien sûr, la queue est reliée, bien sûr, au
Voilà. La queue est reliée par tout un des ossements, bien sûr, au cou. On a le cou, le dos et la queue. D'ailleurs, l'être humain avait une queue aussi, hein. Bon, c'est parce que d'ailleurs, le coccyx, c'est ça, c'est une partie de la queue qui a disparu. Donc, l'être humain a dû s'adapter. Il y a d'autres choses, comme dans les oreilles, il y a certaines choses qui sont adaptées, qui ont disparu. Certaines sont restées, on n'a plus d'usage. Voilà, l'être humain s'est adapté. Et donc, ici, on a un stégosaure. Là, vous avez un stégosaure à gauche, hein, qui est ici. Ça, c'est le stégosaure. Et bien sûr, à droite, on a un sauripelvien carnivore. Lui, il est carnivore. Donc, lui, attention, il mange de la viande ici, hein. Il va chercher son carbone, voilà, dans la viande. Alors, je vous rappelle que la viande, c'est du. Comment est-ce qu'on appelle ça? Des protéines. Donc, à mon avis, celui-ci cherche des protéines. Bon, il est attiré par les protéines, c'est-à-dire par la viande, puisque c'est un carnivore. Bon, il est adapté avec les dents, etc., etc. Bon, il y a juste un petit truc ici, il a des petites mains. Alors, on ne sait pas, peut-être c'était des mains tranchantes. Ici, c'était peut-être tranchant, hein, j'en sais pas plus. Parce que pour attraper quelque chose, il faut des dents. Voilà, des dents, je veux dire, incisives, etc. Il faut je sais pas s'il est comment étaient les dents, hein. Bon, personne ne saura, bon, je sais pas, j'en sais pas plus. Voilà, les dents, comment elles étaient, c'était des monstres, hein. Voilà, c'était une vie de monstre. Voilà, il y avait des dents peut-être dangereuses, hein, comme ceci. Et on peut s'imaginer ici, voilà, ses mains étaient peut-être avec de grands ongles pour pouvoir tuer, je veux dire, sa proie. Voilà, donc, puisque c'est un carnivore, la constitution d'un carnivore et d'un herbivore, c'est pas le même. Ici, vous voyez que le carnivore, il pouvait se mettre à quatre pattes, mais généralement, bon, ici, bon, quand on trouvait des traces, on trouvait des traces de deux pattes. Bon, c'est-à-dire qu'il marchait avec deux pattes. Alors que celui-ci, il est à quatre pattes. Bon, j'imagine que s'il y a un arbre, un grand arbre, bon, il peut se mettre sur ses deux pattes et monter sur là pour aller chercher sa nourriture sur des végétaux qui étaient sur des arbres. Je parle de celui qui est à gauche. Celui qui est à gauche, c'est le stégosaure. Voilà, ça c'est pour un petit peu cette époque-là de. Voilà, voilà. Et à droite, donc, c'est le tyrannosaure, hein, 10 à 15 mètres. Donc vous voyez que le tyrannosaure ici, il était 15 à 15 mètres. Bon, c'est deux fois plus que le stégosaure. Le stégosaure, s'il fait 3 mètres, l'autre 15 mètres, bon, j'imagine que le tyrannosaure peut aller manger le stégosaure. Hein. Et là, c'est quoi l'astuce? C'est que là, il mange des protéines. Le tyrannosaure, qui est celui-ci, le tyrannosaure, il a besoin de protéines, donc il a besoin d'aller manger la viande ici. Et cette viande-là, qui est le stégosaure, lui, il va chercher son carbone sur les végétaux. Donc ici, à mon avis, on a affaire à un prédateur. Le prédateur et la proie, bien sûr, c'est le stégosaure. Voilà, qui lui mange du. Ouais, et ça se passe comme ça, hein, généralement, ceux qui mangent les végétaux en direct, eh ben, se font manger par des prédateurs qui ont besoin de viande. En général, ça se passe comme ça. Alors, bien sûr, la chaîne, elle est limitée, hein. Parce que, pourquoi? Parce que l'énergie vient du soleil, c'est une énergie solaire, et bien sûr, cette énergie est décomposée. Elle n'est pas infinie, cette décomposition, voilà, d'énergie lumineuse n'est pas infinie. Donc là, la pyramide trophique n'a pas une infinité. Voilà, ça s'arrête à un moment donné parce que l'énergie lumineuse, l'énergie du soleil, bon, elle est décomposable, mais pas une infinité d'êtres. Donc voilà, l'échelle trophique à un moment donné, elle est limitée. On va dire ça comme ça. Bon, ici vous retrouvez dans la constitution d'un dinosaure. Voilà, ici ils vous mettent l'omoplate. Alors, ça ressemble beaucoup à des serpents. Enfin, voilà, ça ressemble.
Un espèce de serpent. Si on pourrait faire avec ceci un serpent. Hein. On pourrait faire un serpent avec ça. Bon, simplement ici, il a des pattes. Donc, il a des pattes. C'est un vertébré. Voilà, c'est un vertébré ici. Il a des pattes. Voilà, une colonne vertébrale. Voilà, il a des pattes. Deux petites pattes devant. Voilà. Des grandes pattes, des plus longues pattes derrière pour voilà maintenir toute sa structure voilà, avec un gros ventre parce que à mon avis bon alors ça concourt à quoi ces animaux-là? À beaucoup de choses. À beaucoup de choses, faire une transformation de carbone parce que ici qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bon, suivant que ce soit qui mange de l'herbe, un herbivore ou un carnivore qui mange de la viande, le tout c'est qu'il mange du carbone. Donc ici, ce qu'il va mettre, c'est soit il va manger des gros animaux, voilà. Mais le tout, c'est que bien sûr tout ça va être digéré, il va déféquer. Et déféquer, on aura bien sûr d'office des détritivores, ce qui enrichit la terre. Voilà. Donc en fait, on a un cycle. Là, c'est tout simplement un cycle du carbone, hein. Un cycle du carbone, voilà, parce que là, les détritivores vont transformer en sels minéraux. On aura des sels minéraux. Voilà, qui vont retransformer la matière organique. Organique, et voilà, carbone bien sûr, hydrogène, azote, etc., si c'est des protéines, voilà, qui va être transformé en minéraux. Les minéraux vont être utilisés, ces minéraux, avec de l'eau, aux végétaux. Et donc les végétaux vont reconstituer, si vous voulez, la matière organique. Donc c'est un cycle. Ici, on a affaire à un cycle du carbone. Donc ils vont servir au cycle du carbone. Et là, vous avez déjà des animaux, je veux dire, volants, tels que le renforinque, ou ce qu'on appelle le renforincus, avec CUS. Voilà. On a le ptérodactyle et pteranodon, environ 7 mètres. Bon, c'était gigantesque. Hein. Bon, autant l'autre, il fait 1,60 m. Autant 7 mètres, c'est immense. Hein. Bon, ça veut dire qu'il faut pas être à côté de ça. Ben, s'il y avait eu des êtres humains à cette époque-là, il fallait pas qu'ils restent à côté de tels animaux parce que ça reste. Voilà. Alors, on voit qu'il y en a un qui a des dents ici. Hein. On voit qu'il y a des dents. Alors, j'imagine que si un plan d'eau, il peut plonger sur le plan d'eau pour aller chercher voilà, de la matière, voilà, du poisson, etc., qui contient du phosphore, etc. Généralement, les poissons, tout ce qui est poisson, contiennent beaucoup de phosphore. Donc là, ça concourt à. Voilà, bon, bien sûr. Parce qu'il n'y a pas que le cycle du carbone. Hein, il y a le cycle de l'azote, le cycle du soufre, le cycle de matière. On va dire. Le cycle voilà, des minéraux, le cycle de. Il y a beaucoup de cycles. Hein, parce que si vous arrêtez le cycle de l'eau, il n'y a plus d'eau. Si vous arrêtez le cycle de l'azote, il n'y a plus d'azote. À un moment donné, tout va être consommé, il n'y aura plus rien. Bon. Etc. Bon, c'est pour ça que. Ainsi que ça concourt à avoir une autorégulation, une auto-reconstruction. Alors je vous ramène ici toujours à Fossil Raptor pour avoir une échelle des temps. Voilà, vous avez le Trias Jurassique et Crétacé. Bien sûr. Le Phanérozoïque part du Cambrien pour aller jusqu'à nos jours. On a le primaire, ternaire, secondaire. Enfin, primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire. Voilà. Alors, vous avez bien sûr le. Les cinq premiers qui sont le Cambrien, l'Ordovicien, le Silurien, le Dévonien, le Carbonifère, voilà, ça constitue le primaire. Puis vous avez le secondaire qui est, enfin, avec le Carbonifère et le Permien, 1, 2, 3, 4, 5. Puis vous avez tout ce qui est Trias, Jurassique, Crétacé, voilà. Et ensuite est apparu, je veux dire. Vous voyez que les plantes à fleurs là ici c'est dans le Jurassique alors que les premières plantes terrestres c'est dans le Silurien donc
tout vient de la vie marine. Et puis après, bon, on a eu les insectes et tout ce qui s'en suit, les reptiles, puis les oiseaux, puis les dinosaures. Et bien sûr, l'homme, puis est apparu l'homme. Dans ce qui est la vie marine et végétarienne. Hein. Voilà, la vie marine et végétarienne. Donc on a Homo habilis, voilà, dans le néogène. Donc il n'y avait pas d'homme, voilà, au niveau des du temps des dinosaures. Pas confondre, c'est pas parce que vous voyez un mammouth, voilà, que les mammouths là, à ce moment-là, il y avait des mammouths quand l'homme était présent. Voilà, mais voilà. Pas confondre l'époque crétacée de l'époque où il y avait aussi les mammouths. Alors ici, c'est le site Wikipédia sur l'iguanodon. C'est un genre de dinosaure de l'ordre des ornithischiens, c'est-à-dire des dinosaures caractérisés par un bassin semblable à celui d'un oiseau, du sous-ordre des ornithopodes. Voilà. Les iguanodons ont vécu. Donc il y a les sous-ordres et les ordres supérieurs. Il faut faire attention à ça. Sous-ordres et ordres supérieurs. Voilà. Il faut les distinguer, les sous-ordres et ordres supérieurs. Les iguanodons ont vécu au Crétacé inférieur, au début du Crétacé supérieur, soit entre 145 et 93,5 millions d'années. Ils ont été trouvés un peu partout dans le monde, Europe, Asie, Afrique, Amérique. Le premier spécimen fut décrit par Gideon Mantell à partir d'un tibia, quelques os et des dents. On en connaît 81 fossiles en 2018. En 2008, je m'excuse. L'iguanodon est assez connu de la culture populaire car c'est le deuxième dinosaure a été décrit après le mégalosaure. Ce nom vient du grec orthodons, qui signifie don, hein, orthodontie par exemple, et iguane, animal actuel dont le nom est l'origine arawak, c'est indien, de l'Amérique du Sud. Voilà. Gideon Mantell lui donna ce nom à la suite de la découverte de quelques dents jugales à Wilden Rocks en Angleterre. Il s'aperçut qu'elles ressemblaient à celles d'iguane actuelles. Par la suite, c'est Louis Dolo du Muséum des sciences naturelles de Belgique qui, dès l'année 1880, décrivit complètement ce dinosaure. Avec l'aide du paléontologue Pierre-Joseph Van Beneden. Alors, en reconstituant tout un troupeau d'iguanodons dont les squelettes avaient été découverts dans des galeries menant à la mine de charbon de Bernissart. Voilà, à 80, ouais, c'est à Bernissart, c'est près de la frontière française. Ces iguanodons sont actuellement exposés avec d'autres fossiles originaires du même site dans les collections de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique à Bruxelles. Alors, comment ça s'est passé? Ils ont foré dans une mine. Voilà, ici, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs les iguanodons bernissartensis. Voilà, iguanodon bernissartensis. Iguanodon de Bernissart. Alors, comment ça s'est passé? Ils ont foré dans une mine de charbon. Ils pensaient qu'ils étaient tombés. C'est ça ici. Quelques centaines de mètres de la frontière française, près de Condé-sur-Escaut, va se passer un événement déterminant dans l'histoire de la paléontologie. Cette modeste localité rurale connaît un essor industriel dès 1735. La société des charbonnages de Bernissart creuse une quinzaine de fosses pour y extraire du charbon. En 1870, quatre nouveaux puits sont creusés autour du village. En février 1978, dans la fosse Sainte-Barthe, les mineurs firent une découverte insolite, un amas jaune encastré dans la paroi. Les mineurs pensèrent que c'était de l'or, mais ils se rendirent vite compte que ce n'était pas de la pyrite, que l'on surnomme en anglais « fool's gold », l'or du fou. Cependant, de curieuses choses étaient enchâssées dans la pyrite, des choses qu'ils ne purent identifier. Le 2 avril, M. Fagès, directeur de la mine, fit partager sa découverte au docteur Loire en lui demandant d'identifier cette curieuse trouvaille. Le scientifique découvrit en présence d'ossements en brûlant un morceau de la mystérieuse matière. Le directeur informa alors le géologue L.F. Cornet, ingénieur de mine, réputé. Pendant ce temps, on a découvert des ossements en grande quantité, dont une partie de crâne. Le 8 avril, devant les ossements qui le laissaient perplexe, Cornet suggéra de faire appel au paléontologue Pierre-Joseph Van Beneden. Grâce aux dents trouvées parmi les ossements, Van Beneden identifia ces animaux comme étant des iguanodons. Au fil des trois années de fouilles supervisées par Louis Dolo, 31 iguanodons, dont un depuis considéré comme dolodon, furent découverts, dont
de rester au fond, mais aussi des plantes diverses, des poissons, des insectes, des reptiles non dinosauriens, des crocodiles, des tortues, une salamandre. La mine fut fermée 2 ans pour l'excavation des restes fossilisés. C'est l'une des rares collaborations paléontologues industrielles. De ces fossiles, 9 squelettes complets reconstitués par Louis Dolo sont exposés au musée des sciences naturelles à Bruxelles et au musée de l'Iguanodon à Bernissart. Voilà. Alors on en a découvert en France, au Maroc par exemple, dans la région d'Imouzer-Marmoucha, qu'on en a fait une découverte rare et unique des empreintes fossilisées d'Iguanodon s'étalant sur plus de 5 hectares. Le lieu de la découverte a été nommé la vallée des dinosaures. Voilà. Donc ici, vous voyez la posture, position de ces reptiles a été très discutée. On les a d'abord considérés comme des quadrupèdes, car on se fondait sur l'idée qu'ils étaient similaires aux reptiles actuels, tels les iguanes. Mais lorsque des spécimens complets furent découverts, les scientifiques ont pu observer une grande disparité entre les membres intérieurs et postérieurs de l'animal qu'il possédait, mur de queue. On a alors comparé ses caractéristiques à l'anatomie de kangourou. On a alors imaginé que l'iguanodon utilisait sa grosse queue musclée pour s'appuyer lorsqu'il tentait d'atteindre la végétation haute. Voilà, c'est simple comme bonjour. Pourquoi il avait une grosse lourde queue? C'est pour pouvoir s'appuyer pour se redresser, aller chercher la végétation sur des arbres hauts. En 2000, on a découvert que les vertébrés caudales étaient reliés et rigidifiés par des ligaments ossifiés. Il semble alors que la queue de l'iguanodon lui servait de balancier pour s'équilibrer, faire office de contrepoids à la lourde masse de son corps et qu'il pouvait se déplacer normalement sur 4 pattes. Mais qu'il se servait aussi de la bipédie pour courir, bien que cela soit vraisemblablement à se rester assez rare. Alors les mains de l'iguanodon très particulières possédaient 5 doigts spécialisés, un pouce éperon qui jouait probablement un rôle de défense très efficace contre les prédateurs. En se redressant, l'iguanodon était capable d'attaquer la gorge et le ventre de ses agresseurs. 3 griffes assez larges faisant office de sabots lorsqu'il marchait à 4 pattes. Un petit doigt articulé capable de se replier sur la paume avec une rotation de poignet servant à l'appréhension de ses aliments. Voilà, appréhension c'est pour prendre, hein. Voilà, prendre un objet. Enfin, ici, c'est de prendre quelque chose en main. Il avait des mains, en fait. L'iguanodon était herbivore. Il devait vivre principalement dans les savanes du Mésozoïque. Il se nourrissait probablement de fougères, de conifères, de cycasses, de gingkos, qu'il mastiquait longuement. Alors, probablement, c'est pas sûr. Bien sûr, et là, on avait la mastication. Ils avaient forcément des... Il n'y avait pas que la mastication, puisque, à mon avis, ils avaient... des mouvements inconscients du corps, à l'intérieur du corps, parce qu'à mon avis, ils avaient un cœur qui battait, donc ça c'était inconscient, mais quand ils mangeaient, c'était aussi inconscient. Bon, quand on prend un œsophage, c'est lisse, et il y a des mouvements, ce qu'on appelle péristaltiques inconscients, qui font que la nourriture peut descendre vers le ventre, et puis du ventre sortir, passer de chyme à bol fécal, hein. Tout descend. On a d'abord le bol alimentaire, le chyme et puis le bol fécal. Et tout ça grâce à des mouvements chimiques, des transformations chimiques et bien sûr des transformations, enfin des mouvements mécaniques tels que là, des mouvements péristaltiques. Voilà. Bon, l'invention du terme dinosaure. Owen et les lézards terriblement grands. Grâce à 3 spécimens d'espèces de dinosaures, de genre Megalosaurus, Aléosaurus et Iguanodon, Sir Richard Owen, éminemment pionnier de la paléontologie, a pu déterminer que d'énormes lézards avaient vécu de par le passé et avaient dominé le monde bien avant l'homme. C'était le monde des lézards. Il les nomma dès lors Dinosauria, qui signifie lézard terriblement grand. Car telle était la vision des scientifiques de l'époque. Alors ici je vais vous montrer le ptérosaure. Moi je veux pas lire, hein, vous savez lire comme moi. Mais simplement j'ai mis Wikipédia le ptérosauria. Le ptérosaure, je m'excuse.
Pterosauria, sont un ordre éteint de reptiles volants. Ce sont des reptiles volants qui ont existé pendant presque toute la durée du Mésozoïque, du Trias supérieur, il y a 230 millions d'années, jusqu'à la fin du Crétacé, il y a 66 millions d'années. Ce sont des diapsides archosaures, voilà, ornithodiriens, mais ce ne sont pas des dinosaures et donc pas des oiseaux. Il semble que les ptérosaures aient été les premiers vertébrés volants. Ils possédaient de grandes ailes formées d'une série de membranes. La plus importante est le chéropatagium, voilà, aussi appelé brachiopatagium, fixé au quatrième très long doigt de leurs membres antérieurs. Une autre entre le poignet et le tronc, appelée propragium, soutenue par l'os ptéroïde. Et enfin, une troisième rattachée à la cuisse et à la queue, le chryopatagium. Leur répartition a été mondiale. Un grand nombre de fossiles, souvent mal conservés, ont été découverts sur tous les continents. Voilà, ça c'est le ptérodactyle que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Ah, c'est un oiseau, ça c'est une distinction oiseau, chauve-souris et ptérodactyle. Ah, c'est une comparaison. Alors certains ptérosaures comme Acerogopteryx sont issus. Voilà, pouvait être des prédateurs redoutables. Alors ça, c'est un artiste qui a fait ça. Hein. Vous voyez que c'est quelqu'un qui a imaginé le monde, ce monde d'antan, par un artiste. C'est un artiste qui a fait ça. On est passé voilà, par un artiste pour pouvoir avoir une imagination de l'ère d'antan. Alors là, on a le Scleromocus parnobutamura, squelette de Marasuchus, voilà, Eupakeria. Eupakeria, voilà, vous avez Charovipteryx. Bon, alors bon, maintenant je vois. Bon, ça c'est. Ornithischien, qu'est-ce que c'est? L'ornithischien forme l'un des deux principaux groupes de dinosaures, sachant que le deuxième est celui des saurischiens. Alors voilà, le triceratops, c'est l'ankylosaure parmi les ornithischiens. Alors voici, ça c'est encore le ptérosaure. Si vous avez des avis pelviens, là je vous montre un site qui classe un petit peu quelques dinosaures. Stégosaure, Hypselophodon, Tyrannosaure, Deinonychus, Pachycephalosaurus, Iguanodon, Ankylosaure, Pteranodon, Velociraptor, Brachiosaurus, Allosaurus, Pleisosaurus, Parasaurolophus, Renforinque, les Spinosaures, Triceratops. Et enfin ici, je vous montre un site qui indique, voilà, Dino News, un site avec, voilà, qui répertoriant 120 dinosaures. Voilà, Baryonyx. Voilà. Non, il y en a que 120 ici. Hein, bon. Ben, on ne connaît pas tous les... Je dis au départ qu'il y avait voilà, un certain nombre qui étaient connus et qu'il y avait plus que ça en vérité. Je vous remercie.